Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Hop, on se retrouve pour une nouvelle session sur Watch Dogs 2. Avant Watch Dogs Legion. Et ouais. Bon, je suis à 32% du jeu. Jusqu'à au moins jeudi normalement. Pour finir le jeu, mais je pense que ça va être mort. Clairement, je pense que c'est moi. Je vais essayer de rush un peu. Cool. Merci, jeune homme. De rien. Je te signale. Et tu fais du super boulot. Tu vas trouver une solution. Je dis juste que sans les composants adaptés, j'ai une... Mais regarde l'écran, merde. Tu m'as demandé de tout reprogrammer depuis le début. Tiens, je vais trouver un truc. Oh, cool. On y est enfin arrivé, bien joué. Fini le boule pour Josh. C'est comme de la cocaïne liquide pour lui. T'es folle, tu veux le tuer ou quoi? Non, non, y a pas moyen, laisse tomber. Non. C'est parti. Yeah, comment je t'aime. Ouais, je veux juste dire à tout le monde ici, tous les bouffons de Dead Cells, que c'est les meilleurs putains de hackers, codeurs et voleurs que je connaisse. Mais allez pas dire ça aux flics, hein. Oh, allez, santé, bande de bitches. Prochaine étape, trouver une maison connectée et pirater son serveur. Elle ressemble à quoi, l'unité d'affichage du complexe AED? On va voir. Sécurité basse. On devrait pouvoir tester le 0D sans risque. On devrait? C'est hyper rassurant. Non, je vais faire le truc... Je vais faire Ubisoft. De moi là, hein? Tu flippes, hein? Merci, Ryan. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez me dire qui a eu l'alerte de follow. Elle est bien placée, faut jamais de quoi. Milieu, le petit peu. Salut à lui, hein. Salut à Mad. Comment je monte, moi? Le son du jeu est trop fort. Mais le son du jeu, autrement il est bien. C'est juste ma voix qui est pas assez forte. Mmh.
Bah j'en sais rien mec. Comme je t'ai dit la dernière fois, je sais pas trop là, c'est en ce moment. Souvent vraiment Warzone, j'y joue pas du tout. Puis là, niveau jeu qui va sortir, ça va pas être déconne quoi. De jeux solo qui vont sortir. Je l'attends. Tu peux en profiter pour m'acheter des brownies au cannabis sans gluten. C'est déjà fait. Maintenant, va falloir que tu te mettes sur haut-parleur là. T'es sur haut-parleur? Ouais. Ça pue ton truc là. C'est normal que ça pue, c'est de la bière et des blancs d'œufs. Bon, maintenant, penche-toi au-dessus de la table et mets tes cheveux comme il faut. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant, tu verses le mélange et hop. Fait des pirouettes là-bas, trou de cul. Mais pourquoi il m'appelle, mec?
l'appel d'un ministre très important. C'était extrêmement important. Trouve-nous un truc sympa chez Ubisoft, Marcus. Bien joué, Nathan. Bien joué, Nathan. La pression. Alors, imagine un Street Fighter avec un moulin. Eh ben voilà, ça va nous rapporter des followers, ça. Ça, je m'en occupe. J'ai un contact. Je vois déjà les gros titres. Un nouveau trailer décevant. Un nouveau trailer révolutionnaire. Un nouveau trailer sans grande surprise. Wrench, c'est toi qui écris les articles, quoi. Ça m'arrive. Ah, c'est donc lui. Qu'est-ce qui se passe? Thank you.
site Scoutix. Les gars, le zéro day a marché. Je suis dedans. Beau boulot, Marcus. Jette un œil dans la baraque. Home conserve les données de ses utilisateurs au niveau local, ça fait partie de leur garantie de sécurité. Si t'arrives à accéder aux vidéos des visiteurs, ça devrait suffire à déclencher l'alarme. Compris. Tara, t'avais parlé de la chaîne live de ta nièce, non? Danceboo01, c'est ça? Elle s'appelle Cindy et j'en peux plus de ses streams. On la voit dans sa chambre tout le temps, elle se filme quasiment 24 sur 24. J'arrête pas de lui dire qu'elle prend beaucoup trop de risques. J'ai entendu parler d'elle dans la rue. Elle a une petite notoriété. Les gars, c'est raté pour le serveur. Comment ça? Tu avais accès? C'est juste un point de relais. Les données sont stockées ailleurs. Non, 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 non. Ce matériel fonctionne pas comme ça. S'ils avaient installé quelque chose d'autre, j'aurais... Josh? Hey, Josh, t'es là? Il est en train de lire les notes internes de Home Electronics. On te rappelle dès qu'on en sait plus. Vois ce que tu peux trouver de ton côté. Ok. Une alarme s'est déclenchée. On envoie des hommes sur place.
déclencher une possession voyée. Quelles sont les conditions routières? Un signal, une cible potentielle près de votre position. À vous. C'est déclenché. On envoie des hommes sur place. Eh, hey, ta nièce, elle a quand même vachement de fans. Ouais, une belle bande de pervers et de puceaux, j'imagine. Il ferait mieux de s'occuper de protéger leur PC. T'inquiète, on va lui foutre la trouille de sa vie à ta nièce. Hé hey, les gars, moi c'est Cindy, alias KikuDance01. Et cette danse, c'est un cadeau pour JohnBoy415. J'ai dit pas entrer dans ma chambre! Comme si j'avais envie d'aller dans ta chambre! Ouais, c'est ça! Mais c'est ta musique de merde! Écoute, ça c'est de la vraie bonne musique, pauvre tâche!
C'est du crossfit. Je te jure, je vais péter un câble. Cette musique de merde, je supporte pas ce vacarme. Comment est-ce que tu veux que je danse, moi, là-dessus? John Boy, il aime que la bonne musique. Et ça sert rien d'autre que du boucan, putain. Non, mais c'est trop la honte. Super, Elias. Je crois que la mission est accomplie. Merci, Marcus. Cindy et moi, on va avoir une petite discussion tout à l'heure. Mais en attendant, je vais préparer un kit pour aider les petits jeunes à mieux se protéger sur Internet. Ils vont l'utiliser si ça vient de DeadSec. Ils pensent qu'on est cool, non? J'espère. J'espère aussi, en fait. Trachet rapide là, en fait. Les gars, je me rapproche de l'entonnoir de données. Faut que je trouve quelque part où me connecter. Allons, en fait. Ok, c'est parti. Ouah. Il y a des flux de données qui arrivent de partout. Je crois pas que ce soit juste le 2.0, là. Ouais, t'as raison. Ces volumes sont trop importants pour le peu de dispositifs. Oh, c'est chiant. Tenez-vous prêts. On vous signale une cible déjà identifiée près de votre position. À vous. Je
descends, putain, je te dis de descendre. Une alarme s'est déclenchée. Répondez. Ici Centrale, tenez-vous prêt. Des cibles potentielles ont été signalées près de votre position. Ok, j'ouvre les vannes. Go!
J'emmerde. Gus, envoie-moi les types de Human Eye. Quelqu'un s'est connecté au serveur depuis les locaux. Intrus là. Une cible potentielle dans votre secteur. Marcus, qu'est-ce que t'as fait ? Comment ça ? Je viens de vous donner l'accès ! Et en même temps, t'as alerté la sécurité privée de Home. Ils doivent sûrement avoir un système auxiliaire qui surveille leur connexion. Il faut que tu te planques le temps qu'on récupère tout ce qu'on peut. Ok, maniez-vous ! Ouais, tout va bien. Moi aussi, je... Quoi ? C'est pas bon, vraiment pas bon là. Citara, il se passe quoi ? Home organise ses clients en plusieurs flux distincts qu'il vend à d'autres boîtes. Principalement à des compagnies d'assurance maladie. Et alors ? Si tu commandes de la pizza trop souvent, ton assurance augmente. Et Home reçoit un pourcentage. La vache, c'est crade. Ouais, et ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. On va voir ce qu'on peut trouver de plus pour faire une vidéo bien dégueu. Qu'est-ce qu'il fait ce type ? Pourquoi est-ce qu'il a un balai à chiottes dans le... Hé hey, hé, spoiler, spoiler ! Ce que c'est.
Hey. Pas de spoilers, promis. La vidéo de Sidara est terminée. Du coup, je nous ai dégoté une pure bagnole pour aller à Sutro. Cette petite m'aider à préparer la station. Faut que j'aille la hacker, c'est ça? T'as tout compris. Ok, j'y vais. Trouvez-moi ce fils de pute. On est bloqué. Tout déchiré ? Ouais, monsieur. Eh, au fait, pas mal ce que t'as fait à Junior. Ouais. Ouais. Je sais. Je crois qu'on aura bientôt mérité les vacances, ça te dit ? J'ai toujours voulu nager avec des dauphins. Non, des raies ! Des raies venimeuses. Oh, ce serait classe ! Oh bah non, non, elles ont tué le mec, là, dans le film, là. Oh non, 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 carton rouge direct, mon pote. T'as qu'un seul carton rouge, alors? Du coup, ça sera les dauphins. Non, Marcus, on peut pas leur faire confiance à eux non plus. Ah bon? Pourquoi? J'ai vu un documentaire. Il y a un parc aquatique qui a foutu des caméras sur le dos des dauphins. Parce que la nuit, il y avait des meurtres. Eh ben, ça a pas loupé. Le film, c'était un putain de film d'horreur. Les dauphins, c'est des salopes. C'était pas des orques, plutôt? Non, mais orques, dauphins, c'est pareil. Ils ont des nageoires, ils font des bruits chelous, genre... Hey les gars, ça se présente comment? Pour le moment, il y a carton rouge sur les raies et les orques, mais les dauphins sont encore dans la course. Non, 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 c'est mort. Je suis d'accord pour les raies. Elles ont tué Bourceau dans le film, là. Je suis perdu, là. De quoi vous parlez? On détermine les ajustements d'angle nécessaires à la transmission des données par les paraboles. Et je peux vous aider? Non, ça va. Je vais rester ici. Je supporte pas les espaces clos et les uniformes pourris.
voilà. Redémarrage dans 3, 2, 1. C'est bon. Nickel. Il te reste plus qu'à escalader la tour pour ajuster l'antenne sur WKZ. Pardon ? Il plaisante. Il y a un ascenseur qui devrait pas tarder à arriver. Merci, Josh. Combien l'ascenseur en tout cas. J'imagine que t'as déjà sauté d'un avion, pas vrai? Mec, j'ai même crashé un avion. Et t'as déjà fait de l'escalade? Bah évidemment. T'as couru au milieu des taureaux? Ah non non, t'es ouf ou quoi? Ah, je le savais! Mais c'est quoi ton problème avec les animaux? Je les emmerde, les animaux! On est en guerre avec eux. Ils sont en train d'évoluer comme des bâtards pour nous remplacer dans la chaîne alimentaire. Alors moins ils en savent sur nous, mieux ça ira. Quoi? Même les petits chiens? Surtout les petits chiens. Ils ont infiltré notre société, ces enculés. Ils nous mettent en scred et tout. Putain! Bon, bah on va t'offrir un chiot. Elle m'oblige pas à tabasser un chiot, Marcus. Je veux pas devenir un mec qui tabasse des chiots. Passe pas ou ça passe pas?
poil. Ça devrait être bon. Je fignole quelques petits détails et... voilà. Parfait. Josh et moi, on arrive dans pas longtemps. Ramenez la Linouze. Moi, je veux être là aussi. Hey, pas mal la vue. Ouais, je trouve aussi. Vol, petit nuage. Y a plus qu'à s'asseoir et profiter du spectacle. T'es sûr que tu l'as bien configuré ? Oh, ça va, ouais. Je te demande pas si t'as bien fait ton taf, moi. Si ? Hé, hey, fermez-la, j'y suis. Avec le PDG de Home, qui nous a préparé une petite... Tu m'étonnes qu'il a une surprise pour eux. J'ai apporté notre tout dernier appareil, et je suis heureux d'annoncer le lancement du Home 2.0. Ouais, cool. En appuyant sur un simple bouton... C'est le logo de DeadSec. Oh, je suis désolée. Trop fort! Éteignez! On a terminé, je n'ai plus rien à dire, vous avez entendu? Citoyens de l'ère numérique, bienvenue. Home a cru pouvoir vous duper. La société vous a vendu un système pour votre foyer, garantissant votre intimité, votre sécurité et son utilité. Mais en réalité, Home vend vos habitudes. Vous avez souscrit un abonnement mensuel pour avoir le privilège d'être revendu au plus offrant. Il est temps d'ouvrir les yeux, de récupérer la valeur de votre existence. Si vous ne contrôlez pas ces informations, quelqu'un d'autre s'en chargera. Vous pouvez espérer que les multinationales vous traitent bien, ou vous pouvez prendre le problème à bras-le-corps. DeadSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Merci. Steven. T'as pris un sale coup, mon pote, ça arrive. Écoute-moi bien, espèce d'hypocrite. C'était pas très malin, Steven. On peut dire que t'enchaînes les conneries en ce moment. Assieds-toi. Mec, je t'ai donné tous les outils. Tous. Pour utiliser ces données proactivement. Et toi, tu chies dans la colle et en prime time en plus. Ils ont déjà dû mettre ton interview en ligne avec de l'autotune. Fous la paix à DeadSec. Je vais m'occuper d'eux. Tout ce que t'as à faire, c'est envoyer une lettre d'excuse à mes avocats pour avoir levé la main sur moi. Ça va aller ? Est-ce que ça va aller ? Dis oui. Oui. Eh ben voilà. Je vais te chercher un verre d'eau. Oh, lui, je l'ai pris là. Paf. Pif paf. Pouf paf. Ici Centrale, tenez-vous prêts. Des cibles potentielles ont été signalées près de votre position. Marcus, faut que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas bon, dépêche-toi. Hé hey Marcus, un follower a récupéré un email, ça vient chez Home. Et ça vaut le détour, mon pote. Les gars, j'ai une piste sur un pédophile potentiel qui bosse pour Home. Oh putain de merde. Big Brother, c'est un gros pédophile. Et ben voilà pourquoi on voulait s'intéresser à Home. Bon, alors c'est qui ce mec ? Cole, machin truc. J'ai pas son nom de famille. On a sûrement la liste des employés de chez Home quelque part. Alors... Ah, Cole Lang. Je vais le retrouver. On va rassembler les preuves et voir le genre de personne qu'Home cherche à protéger.
Bid. Baisse-toi un peu. Prêt? Marcus, ça t'inspire quoi, toi, le système Home? Un CTOS en puissance. Donc, tu serais pas surpris d'apprendre qu'ils sont en partenariat avec Bloom? Vu ce qu'on vient de leur faire, non. Mais j'imagine que le partenariat vient de prendre fin. Il consistait en quoi? Le logiciel de Home est basé sur le code du CTO. D'accord. Vas-y, il se passe quoi là? Primate est en train de te voler des données. Trouve qui c'est avant la fin du transfert. Cherche quelqu'un qui se comporte bizarrement. Attends deux secondes, je suis en train de regarder mes vidéos de gamin. Mesdames et messieurs, Cole le pervers. Espèce de porc. On va lui foutre la guerre. Qui joue dans leur chambre, j'ai à peu près tout ce que tu veux sous la main. Ok, on peut se voir quand. J'ai besoin de nouveaux trucs pour...
pour ce week-end. J'ai augmenté mes tarifs. Ah, mais putain, qu'est-ce que tu fais au gris? J'ai rien fait du tout, moi. Mais... Est-ce que tu m'entends? Ah, bordel! Gris, t'es encore là? Putain de casque chinois! Niquer ma vente. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces emmerdes? Des milliers de dollars foutus à la poubelle. C'est pas un truc sans un autre. Petite fille. Qui fait ça? Qui joue dans la chambre. Et j'ai à peu près. Quelle espèce de tasse se permet de. Comme chez moi! Attends, je vais te tomber! Tu vas voir, connard! Attends! J'arrive! C'est bon de ton côté? Ouais. Oh putain. J'aimerais pouvoir sortir de la caméra et défoncer la gueule de ce bâtard! T'inquiète pas, Marcus. La vidéo circule déjà. C'est les gens qui vont s'occuper de lui défoncer sa petite gueule. Une de nos alarmes s'est déclenchée. Allez voir. Marcus, l'un de nos followers m'a envoyé ça. Encore des infos sur le PDG de Home. Écoute un peu ça. J'étais sur le tapis de course quand cette espèce de connard s'est ramené avec son coach et m'a dégagé. Sa tête me disait quelque chose. Eh bah figure-toi que c'était Steven Bader, le boss de chez Home. Ces enfoirés de milliardaires comme lui sont trop bien pour faire la queue comme tout le monde. Ici la police, quelle est votre urgence? Eh, ça vous dirait de shooter une vidéo de fitness et de se foutre de la gueule du PDG de Home? Steven Bader? Putain, j'aimerais bien encore me foutre de sa gueule à ce guignol. Mais pourquoi une vidéo de fitness? Je suis en train de mater Steve le beau gosse à la salle de gym. Accroche. Ok, voilà notre PDG préféré. On va le faire transpirer du cul un peu. Vas-y, vas-y, fais-le tomber. Accro cardio. Eh ben, est-ce que ça va?
T'as tout enregistré ? Marcus, c'est le truc le plus beau que j'ai jamais vu. Je diffuse direct. Oh, voir un enfoiré pareil se ramasser comme une merde de facochère sur un tapis roulant. Oh, y a de quoi ramener la paix dans le monde. Tu veux la paix dans le monde, toi ? Bah ouais, je sais pas. Je viens de lire un super article sur l'élevage de hamsters. Faut que je me... Je pense que ça va être ma dernière mission. Dernière mission. Sion. Merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je regardais des chiffres. Combien de gens avaient téléchargé notre app? Combien de puissances de calcul on avait disponible? Et c'est là que je l'ai vu. Quoi? T'as vu quoi? Une partie de nos followers et des bots proviennent de comptes invite inactifs ou fermés. Attends, ça veut dire que quelqu'un a utilisé un réseau social pour booster nos chiffres? Mais qui? Et combien de comptes surtout? Je sais pas qui, mais ça vient directement d'invite. Quelqu'un avec l'accès admin, ça c'est sûr. Et pour la quantité... Putain! Je suis désolé, j'ai pas vérifié. Non, c'est de ma faute, j'ai pas vérifié. Josh, j'ai pas vérifié. Non, c'est pas ta faute. Non, mais peut-être que tout simplement, on a un méga fan chez invite. Ouais, peut-être bien que quelqu'un essaie de nous baiser. Merde. Faut qu'on se bouge. Marcus, je vais trouver un moyen d'entrer chez eux. J'aurais dû vérifier. Josh ! Arrête, c'est pas ta faute, ok ? On les a tous vus, les chiffres, et c'est toi le seul qui t'en est rendu compte. T'as assuré ? Ok. T'as assuré, mec. Bah ouais. C'est grâce à toi, mec. Dis donc, t'as vu ça ? Le PDG de Home a testé son nouveau logiciel sur sa famille. Tu déconnes ? Je t'assure, sa femme a demandé le divorce ce matin même pour surveillance illégale de mineurs. Wow ! Alors il risque la tôle ? Ben, pour l'instant, on n'en sait rien, mais il semblerait que ce soit possible. Visiblement, ça a tendance à énerver les gens quand on les surveille en secret. Ouais, étonnant comme concept. Le fournisseur de maisons connectées de Bay Area fait face à des accusations de violation de la vie privée de ses clients. Des documents révèlent que Home vend des informations privées sur ses utilisateurs, principalement à des sociétés d'assurance, des informations récoltées par leur propre système de surveillance. La porte-parole de la société Elena Chao affirme que la vente de données ne constitue pas une violation de la vie privée de l'utilisateur, telle qu'il est stipulé dans les clauses du contrat de licence de l'utilisateur final. Montrez-leur la force des bras de vin, mes frères. J'ai rien fait. Je t'envoie les comptes marqués. Utilise l'ordinateur de la présidente, Marie Catskill. Elle est en vacances, son bureau doit être libre. La
retrouve devant chez elle pour 19h. Je t'en donne l'adresse. Ouais, j'ai chopé un entretien chez Invite. Tu. Fais gaffe. J'ai déverrouillé l'ascenseur. J'y vais tout de suite. Eso te hace sentir bien. Trop bien, on est obligé de ça. Je suis dans l'ascenseur. On va enfin avoir des réponses. Bonne chance, Marcus. On est avec toi. Merci. Ça y est. Je vais essayer de voir qui a gonflé nos chiffres. Wow. Il s'est passé quoi, là? Les clients marqués ont disparu. Les bots sont plus là. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, c'est pas moi. Marcus, je tombe mal? On dirait que je tombe mal. Je parie qu'elle prend les glaçons. Je pense pas avoir besoin de me présenter, si? Je sais qui t'es, ouais. L'autre nuit à la plage, je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Eh bien moi, je crois que c'est le destin qui a voulu que je sois là l'autre soir où t'es entré dans nos systèmes. Il fallait que je sache qui t'étais et quand je t'ai trouvé, tu pissais sur tes baskets. Tout dans le cerveau, rien dans la précision. Qu'est-ce que le directeur technique de Bloom fait dans le bureau de la PDG d'Invite? Et pourquoi t'as gonflé nos stats? Laisse-moi deviner, tu viens me proposer un salaire de bâtard? Ah ça non. Non. Alors oui, c'est sûr que t'es plus doué que la plupart de mes programmeurs. Mais moi, tu vois, je peux pas vendre le CityOS 2.0 comme un système de sécurité de pointe et après... embaucher un type aussi peu recommandable. Wow. Je suis juste venu prendre un verre. Mais... si tu veux un verre et une danse... Ok? Ah, tu trouves ça marrant, hein? Vas-y. Fais-moi un coup, vas-y. Tout le monde te bouffe dans la main parce qu'il pense que ton système est infaillible. Mais tu vois pas toutes ces vies que t'es en train d'écraser! Tu sais quoi, Marcus? Tu sais quoi? Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise ce qui est bon et ce qui est mal! Ils veulent pas savoir comment ça marche, je sais ça marche! Ouais, sauf que rien ne marche. Quelques vies, un prix dérisoire à payer. Dérisoire pour améliorer le sens dans lequel va le monde. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Continue à te battre contre le courant et tu finiras sur la plage. Pourquoi t'as gonflé les chiffres de DeadSec? Parce que dans la Silicon Valley, personne sait mettre une vraie droite. Ça, et puis vous êtes un sacré investissement. Vous êtes si agressif, si indigné. Vous avez envoyé le reste de la Silicon Valley directement chez moi. Tu nous as utilisés pour leur vendre le CityOS 2.0. Ouais, c'était le dernier rempart contre des hackers comme vous. Et maintenant,
Tout le monde veut ma protection. Bon, écoute, Marcus. Ton dossier est de nouveau accessible, ta bague d'or est grillée, et ces bottes que je t'avais données... envolées. Oh, et... Il y a aussi un mandat sur ta gueule. Pour piratage, espionnage industriel... et vandalisme avec effraction. C'est pas grave. Je comptais pas me resservir. Ça fait chier. Voilà. Puis ça ouvre. À toutes les unités, attention, soutien, attention. Un dangereux criminel a été aperçu près de votre position. À vous. À toutes les unités, demande de soutien. Centrale à patrouille. Présence de suspects potentiels près de votre position. Merde, je me suis fait avoir. Putain! Marcus, il y a des flics partout, tire-toi de là. Sa mère! Marcus, ils encerclent le bâtiment. Calme-toi et dégage de là. Je répète, sortez les mains en l'air. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. C'était où l'hélico? Marcus, ça devient vraiment trop chaud là. Rentre au QG et on trouvera une solution ensemble. Pas si grave. Là, on passe juste pour des bouffons. Enculé, fils de pute! Rens, calme-toi, merde! Ça sert à rien. Ouais, t'as raison. Ça sert à rien. Marcus, tu veux contribuer? Les gars, je vais être honnête avec vous.
En général, j'ai pas de plan. Mais là, j'ai une idée et... Je sais pas, mais... Faites-moi confiance, sur ce coup-là. Ah ouais, mec, c'est quoi ton idée, mec? C'est parti! Ouais, bien joué, mec. Je sais que ces temps-ci, c'est pas la grande joie. Non, c'est carrément pourri. Même si c'est la merde maintenant, c'est passager. Tu nous as aidés à trouver notre voie. On s'est attaqué à des géants et ça a été une putain d'expérience. Au fait, on t'a jamais vraiment remercié. Et pourquoi t'en parles comme si c'était fini? C'est pas le cas. Moi, je continue. Et toi aussi, alors on va convaincre les autres et... Quoi, tu laisses tomber? Ça vient de nos forums DeadSec. DeadSec, ça vaut plus rien. DeadSec, c'est rien d'autre que des fakes. Vous faites que de raconter de la grosse merde, hashtag DeadSus. Mais c'est normal qu'on se fasse tailler de temps en temps, on s'en fout de ça. On s'en fout de... Putain, Marcus. Tu regardes ce qui se passe autour des fois, moi je m'en fous pas. Je me suis cassé le cul pendant des années, pour qu'on nous respecte, et ça bien avant que tu te ramènes. C'est pour ça que je le fais. Mais là, je crois que... C'est foutu. Arrange le coup. Je sais pas si c'est possible. Ouais, bah... Si ça peut te réconforter... Au moins, toi, t'es pas une fugitive. T'imagines. Je me demande s'il y a une prime sur ta tête. Je pourrais la récupérer. Oh, arrête, tu pourrais jamais m'attraper, de toute façon. Attends, moi, je suis une athlète, bitch. Ouais, non, laisse tomber. Ouais, ok. Je veux pas me faire mal. Ouais, mais... S'il faut que je les traîne au milieu du désert pour que DeadSec survive, j'hésiterai pas une seconde. On peut pas abandonner maintenant. Blazebreaker en force! Blazebreaker! Skelter va bientôt commencer. Chaque équipe doit se faire prendre en photo à la statue de l'entrée. Les Tuckface seront disqualifiés. Josh, c'est qui ta copine? Oh, c'est Suzanne, elle est prof dans une école du Milwaukee. Elle a 32 ans et elle conduit une... Super! Bon, on doit tous se rejoindre devant la grande sculpture pour une photo de groupe avant le début du défi. Enfin, quand tu seras prêt, hein? Je veux surtout pas te déranger. Me déranger? Non, non, pas du tout. J'expliquais simplement à Suzanne que si son mélange pour faible vitesse est trop riche, le moteur le supportera difficilement et finira par craquer. C'est un moteur 4 temps, faut faire gaffe. Ouais! Ouais, bien sûr, ok. On se voit là-bas, hein. Ouais, pas de bêtises avec Suzanne. Tu laisses ta trace? Toujours. Mais pas celle de DeadSec. Tu crois pas que ça ferait bizarre? Allez, s'il te plaît, me prends pas la tête. J'essaie de passer un bon moment, là. Moi aussi! Du coup, tous ensemble, en tant que DeadSec, on va participer au défi et on va le gagner. Et tu penses que les autres sont partants? Mais ouais, ils vont l'être. J'ai un super sourire. C'est vrai qu'il est pas mal, ton sourire. Tu vois, c'est facile. On va gagner ce truc et on va se marrer. Fais-moi confiance. En fait, t'as déjà tout prévu, hein? Non, mais je sais comment te faire repasser en mode Citara, et après, c'est toi qui vas tout prévoir. Mais t'es dangereux comme mec. Retrouve-nous devant la statue quand tu seras prête. Ok, à toutes. Hey mec, tu fais quoi de beau? Je vais faire bouger tout le monde. Mais il me faut une vraie tracklist, y'a rien sur cette merde. DJ Ratio. Quand je mixais, on m'appelait juste Ratio. Et tu sais quoi? Pourquoi je m'y remettrai pas? De toute façon, j'ai rien d'autre à faire maintenant. Non mais DeadSec, c'est pas fini. On s'est pris un coup, mais on va revenir encore plus fort, tu vas voir.
T'es toujours tellement sûr de toi. Je sais, mais j'ai toujours raison. Attends. Voilà. Bah voilà, ça c'est du son. J'ai aussi bloqué le matos de leur DJ pourri. Le sauveur de la fête. Bon, quand t'auras fini de faire transpirer tout ce beau monde, retrouve-nous au milieu. Detsec va participer au concours. Ok, ça marche. Pas très équitable, ça. Tu m'étonnes que c'est pas équitable. Le gars va se faire démonter, c'est sûr et certain. Mais c'est ça qui est marrant, non? C'est toujours fun de regarder un type se faire massacrer. Ouais. Enfin, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied et qu'il prenne sa revanche, non? Quoi? Tu veux faire de ce combat une métaphore pour Detsec, c'est ça? Attends, mais moi je suis aussi partant que toi pour que Detsec continue. Je suis juste pas sûr que la métaphore puisse s'appliquer à ce taré. Il va se prendre la raclée de sa life. Point barre. Ouais, c'est clair. Bon, tu nous files un coup de main pour la compétition. Ouais, je suis chaud. C'est pour nous, ça. Wow. Allez, viens, fils de pute! Je crois qu'il va. Ils vont prendre putain de chair! Allez, venez tout le monde, on fait une photo tous ensemble. Hey, tu sors ton plus beau sourire, ok? T'inquiète. Bon, on dirait que le défi a commencé. Josh, t'analyses les chiffres et tu trouves la solution. Wrench, tu t'occupes du Jabberwock. Tu me rebranches tout ça. Ratio, il faut que tu fasses des interférences pour nos concurrents. Ralentis-les. Sitara et moi, on va hacker ce truc. On y va! Tête sec! C'est parti! T'as un drone là-haut si t'as besoin d'une meilleure vue. Je suis entré. C'est bon, j'y suis presque. Ok, c'est quoi ce truc? Trop cool! Ça devrait pas être trop difficile ce coup-ci. Ouais, mais faut qu'on fasse vite. On dirait qu'il y a un timer. Tu crois que tu peux le pirater? Évidemment. Putain, mais arrête de bouger! Oh, la puissance de Sita! Merci. Tu peux rien faire. Mais j'essaie. Allez, fais quelque chose. Mais j'essaie, putain. Non, c'est bon. Laisse tomber. Ah ouais? Comment tu le sais? Parce que c'est obligé qu'il prenne feu! Il peut pas ne pas prendre feu! Je te l'avais dit! Oh! Ça c'est vraiment trop mortel, putain! Le Jabberwock, l'œil flamboyant! Moi c'est Josh! Moi c'est Horatio! Ça va ou quoi? Ouais, moi c'est Marcus! Vous êtes qui, vous? Moi, c'est Ray. Ah. J'aurais dû mettre plus de jus dans les... Ah! Ah!
Et les jeunes, vous voulez vous nourrir l'esprit? Alors suivez-moi. Du 100% pure défonce. Ok, les gens, je suis offline. On se retrouve de l'autre côté. Eh, Horatio, tout va bien, mais... Je sais même plus ce que ça fait de se sentir bien. Bon, ça va, alors. Est-ce que je vous ai dit que je les avais trempés dans du LSD avant? Josh? Ça va, ils utilisent des hallucinogènes pour tester les malades. Asperger... Asperger... Josh est en plein trip. Ok, on va te trouver un truc sur quoi se coacher, hein? Ok, ok. Toi, c'est pas juste Ray. Toi, c'est Ray, Raymond, Kenny, toi. J'ai toujours tes vieux fanzines de hacker. Je me souviens d'avoir monté une antenne sur mon vélo 10 vitesses après avoir lu un War Driver. Putain, j'utilise même encore ton vieux rootkit. Fuck steak. Ouais, ouais. Et moi qui vous prenais pour le simple bidouilleur. Dis-moi si je me trompe, mais on dirait qu'il y a quand même des éléments instables dans le groupe. C'est toi le chef? J'ai trouvé Charlie. Non mec, on marche pas comme ça. DeadSec a une règle. Pas d'armée personnelle. Pas de chef. Ouais. Seulement au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui les as amenés ici. Non mec, c'est exactement contre ça qu'on se bat. Le système dans lequel on vit, il est complètement pourri. Tu poses la question à n'importe qui ici et ils te sortiront tous exactement la même chose. C'est facile à dire ça. C'est trop facile mon pote. Ok. Il y a quelques années, ce putain de système m'a identifié comme étant un criminel potentiel. Je me suis retrouvé lié à des trucs que j'avais pas fait par simple probabilité, et maintenant, avec le CityOS, c'est comme ça pour tout. Je veux dire, je le vois au niveau... au niveau subliminal. Oh. Tu t'es dédoublé, là? Ouais, je sais, ça a tendance à faire ça. Ce que t'appelles subliminal... C'est un bel Weather, Marcus. Hmm? T'as vraiment l'œil, gamin. Mais le subliminal est passif. Le programme, bel Weather. Il contrôle. C'est comme si Orwell et Huxley étaient un double match. Profilage. Manipulation des médias. Collusion d'entreprises. Consumérisme. Le tout piloté par des algorithmes prédictifs. Et là, il a été mis en place en plein cœur de la Silicon Valley. Et quelqu'un de chez Bloom utilise le CityOS pour l'alimenter en données. Tu recrutes? J'ai tellement envie de mettre un gros kick dans les couilles de Bloom. Je peux vous aider à être plus efficace. Alors, aide-moi à vaincre le vrai Jabberwock. Allez, viens avec moi, Marcus. Sans déconner. Oh, sa mère. Hey. Oh, hey, hey, Marcus, réveille-toi, putain, il faut y aller. Oh non. Oh. J'ai passé la nuit dans une tente à côté d'une nana très nue et très tatouée. Ouais, mais tant mieux pour toi. Non, non, mais tu comprends pas, mec. C'était la fiancée d'un type des Sons of Ragnarok. Faut qu'on se tire, faut qu'on se barre maintenant. Allez, Ragnarok, gronde-toi, gronde-toi. Bah, bref, je sais pas qui c'est. Waouh. Ouais. Bah, tu m'avais dit que vous étiez dans la merde. Alors jusqu'où? En gros, on est tous en danger parce qu'il y a un gros marqueur rouge à côté de mon nom. Les gens vont commencer à faire des rapprochements. Tiens. Mais ils sont où tous, putain? C'est tout? C'est déjà bien. C'est de Bloom qu'on parle, là. Et là, t'es en train de parler au principal ennemi de Bloom, mon gars. Eh ouais, ça fait des années que j'échappe à ces connards. Si tu veux,
Suffit que tu me laisses 2 heures, et je vous efface de leur système. Quoi? Comme ça? Bah, faudra peut-être que je sacrifie une chèvre pour qu'on se la joue médiévale, mais ouais, ça ira comme ça. Ah bah te voilà! On t'a cherché toute la matinée, ils ont pas de bureau des objets trouvés au Swelter Skelter. Ah ça, dans le désert, ils sont plutôt du genre « je trouve, je garde ». Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Ouais, Marcus. D'où t'invites des étrangers chez nous? C'est arrivé comme ça, ok? On essayait d'échapper à des bikers, c'est... Ouais. Mais bon, tu sais quoi? C'est même pas important, il est cool. Ah, il est cool? Mais c'est génial, ça. Parce que d'habitude, c'est en groupe qu'on discute de ce genre de trucs. Je sais. J'ai déconné. Mais vous connaissez Ray, hein? Pas vrai? Alors tenez-vous bien, parce que lui, c'est Raymond Kenny! Lui, c'est Raymond Kenny? Je t'imaginais... plus propre. Je sais, on me le dit souvent. Je peux te faire un câlin? Ouais, mais pas plus de 2 secondes, hein. Ça aussi, ça arrive souvent. On peut le garder? Comme un hacker en résidence? De vrai, il peut nous aider. Il peut rester ici? Vraiment? Il devrait rester? Ok, c'est bon. Mais s'il se met à déconner avec l'un de nous, je lui éclate les bourses avec une batte de baseball. Message reçu. Jolie casquette. Joli masque. Ok, c'est cool. Tu veux une bière? Ouais, je veux une bière. Même 2, merci. Bien. Ramène-lui du matos aussi. Il va nous montrer ce qu'il sait faire. Gamin, t'es prêt à changer le monde? J'ai quelque chose pour toi. Sur ce, je vous laisse là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle session. Merci de vous regarder. À plus.